Let's go! Et let's go! C'est parti, let's go! Dans la dernière vidéo, il y avait deux pets à gagner, les gars. Et dans celle-là, on met la barre encore plus haute parce qu'il y en a trois à gagner. Et encore une fois, les gars, remerciez Phoenix dans les commentaires. Il m'a passé Sasuke et Son Goku pour vous. Et aussi Tom qui m'a donné le petit cheval de Noël. Donc, les gars, ça fait pas deux vainqueurs, mais trois. Le Agony, il vaut 10 millions de gemmes. Le Monkey, il vaut 3 800 000. Et le Pegasus, il vaut 2 100 000. Et pour participer, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous savez déjà comment faire. Et évidemment, dites-moi lequel vous voulez. Premier vainqueur, Xerox. Moi, s'il te plaît, mon pseudo, Dead Dark Shadow avec le Starfall Dragon. Alors, la première personne, c'est Dead Dark Shadow. Et lui, les gars, il a gagné le dragon. GG, à toi. Oui, envoyé. Et les gars, le deuxième vainqueur, Magali. Mon pseudo, c'est Théophile. Je veux le dragon ou le Dominus. Et du coup, le deuxième vainqueur, c'est parti. Théophile numéro 1, et lui il a gagné le Dominus. GG à toi. Oui, envoyé. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Et si vous voulez vous aussi, n'hésitez pas en écrivant Prince END. Bonne vidéo. Les gars, what the fuck, je suis avec Nirox et regardez ce qu'il me trade. Huge Mosaic Corgi en doré. Mais what the fuck. Mais les gars, mais c'est pas normal. Vous savez que dans toute ma petite carrière, j'ai eu 2 ou 3 abonnés qui m'ont offert des huge. Mais c'est vraiment très 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 rare. Donc là, c'est vraiment une dinguerie. Attendez, je vais quand même regarder son pets. Attends, mais what? Attends, mais il est niveau 81 en plus. C'est mon plus puissant. What the fuck, mais... Golden Shiba. Mais attends, mais il a trouvé ça où? Vous croyez qu'il l'a packé lui-même? Attendez, mais je vais lui demander. What the fuck? Wow. Bon, je suis désolé les gars, je peux pas crier. Il est 1h30 du matin, vu que j'habite en France. Et je crois que c'est un abonné québécois. Du coup, je peux pas trop crier, moi. Mais... What the fuck? Ok, bah, je suis trop content. En plus, je crois que les gars... Attendez, mais... Ouais, regardez. C'est le même ou pas? Je sais pas si c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Lui, c'est un Shiba. Ah non, un Corgi. Et lui, c'est un Dog. J'ai presque le même. Waouh, trop bien. Trop, trop bien. Merci beaucoup, BG. Ok, les gars. Avant d'aller s'ouvrir nos 5000 œufs, même en réalité, 5500 ou 6000 œufs, parce que je vais tout ouvrir, en fait. Et bah, on va aller dans le token arcade, les gars. Et on va aller essayer de choper des petits œufs. Donc c'est parti. Hop, on y va direct, les gars, on se prend pas la tête. Je sais même pas comment ça marche ce truc. Enfin, en vrai, je sais, mais c'est juste que c'est un peu buggé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment y aller au pif. Hop, on va attraper des trucs. Vite fait, bien fait. On est bien aligné là ou pas? Je sais même pas. Je sais pas si on est bien aligné. Ouais, peut-être. Bon, en tout cas, c'est parti. On essaye d'attraper le premier œuf. Et malheureusement, je crois qu'on va pas l'avoir. Mais on va peut-être avoir... Ah non, rien eu. Ah, c'est triste, c'est triste. Nul, nul, nul. Mais la machine, elle est buggée par contre. Pourquoi elle bouge comme ça bizarrement? La machine, elle est buggée. Bon, on a rien eu. Deuxième machine. Enfin, deuxième essai plutôt, pardon. C'est parti. Allez, allez. Plus loin, plus loin, plus loin. Bon, ouais, c'est complètement buggé cette machine. Frère, c'est quoi ça? Attends, mais les gars, mais elle est cassée, leur machine. Leur vieille machine toute pétée. Ok, c'est parti, attention. Oh là, je suis pile dessus, là. Attrape, attrape, attrape. Ok. Maintenant, faut pas qu'il tombe. Tellement que c'est bugué, il va peut-être tomber. On n'en sait rien. Aïe, 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 aïe. Attention. Mais c'est long. Attention. Let's go. Notre première œuf. Let's go. Ok, on continue, les gars. On continue, on continue. Hop. Je suis bien aligné là ou pas? Je sais pas. Je pense qu'on est pas mal là. Allez, on teste, on teste. Ah, je suis un peu. J'étais un peu trop. Ah, mince, 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 mince. J'étais un petit peu trop devant, les gars. J'aurais dû reculer un petit peu le truc. Ok, on continue. Hop. On y retourne. Allez, c'est parti. Il faut bien que je m'aligne. Ok. Est-ce que là je suis bien aligné? Attendez, je regarde comparé à la grille. Ok, je crois qu'on est un petit peu trop par là. Ok, là on est peut-être pas mal. On va voir, attention. Ah ouais, j'étais bien, mais malheureusement, la pince a attrapé le bout de la clôture. Ça, c'est un peu triste, ça. Je sais pas pourquoi la pince, elle attrape les bouts de la clôture, mais... Ok, on continue. Moi, je dépense tous mes jetons, les gars, mais bon. On s'en fiche, on n'est pas à quelques gemmes près. Surtout que j'ai tout perdu dans ma vidéo.
enfin tout perdu. Vous verrez à la fin. Est-ce que j'ai dépensé toutes mes gemmes pour rien? Ok, est-ce que je l'ai? Oh là, je l'ai, dis-moi que je l'ai. Oh non, je l'ai pas eu. En plus, il s'est collé. Oh là 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 là. Oh là là, il s'est collé. Oh la honte. Alors attendez. On va plutôt. Mince. Oh, mais c'est la pire machine de tous les temps, les gars. Ne faites jamais ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, c'est nul. C'est tout pourri, les gars. C'est tout, tout pourri. La machine, elle est cassée, elle est buggée. Ok, c'est parti. Allez, 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 attrape-moi ça. Ah ouais, mais ça, c'est quoi ça? Tête de neuil, pardon. On continue, on continue. Hop. Mec, les gars, c'est complètement buggé, cette machine. En vrai, je vous conseille pas de le faire chez vous. On va essayer d'attraper le 5 là-bas. Le 5, il a l'air simple. Bon, je dis ça, mais en vrai, je vais me faire encore arnaquer. Allez, là, je suis pile dessus. Je suis pile dessus. Attrape. Attrape. Allez. Ah, c'est pas un 5, c'est un x20. J'ai cru que c'était un x5. Allez, tombe pas, s'il te plaît. Tombe pas, tombe pas. Tombe pas. Un joli x20. Allez, allez. Et let's go. Ok, on continue. On continue, on continue. Je vais essayer d'attraper celui-là, là. Collé à la porte. Hop. Est-ce que je suis bien aligné? Bah, on peut pas être mieux aligné en vrai. Allez, attrape-moi ça. Attrape-moi ça. Oh là là. Vous savez quoi? On va essayer d'attraper un x20 alors. Allez, dernier essai les gars. Après, j'abandonne parce que c'est un peu une galère cette machine. Je pense que c'est la dernière fois que je retournerai dans cette machine. Juste pour la vidéo, je suis venu dans la machine les gars. Mais c'est la dernière fois. Hein. Je vous préviens, elle est pourrie la machine. Ok, alors attendez, je colle au max. Ah, il y a un abonné qui me demande de rejoindre mon clan. Déjà, les gars, c'est pas vraiment mon clan, c'est le clan de la team GEK. Donc, c'est le clan de toute la team en vrai. Et du coup, malheureusement, je suis pas modérateur. Faudrait que je leur demande en vrai. Faudrait que je leur demande s'ils peuvent me mettre modérateur du clan. Je leur demanderai la prochaine fois. Mais du coup, ouais, si vous voulez rejoindre le clan, moi je peux vous aider pour demander au chef, mais. C'est tout ce que je peux faire, moi. C'est tout ce que je peux faire, les gars. Je peux pas vous inviter ou quoi que ce soit. Ok, on a eu un 9x5, pourquoi pas. On va tester encore un petit peu, en vrai. On va tester un petit peu. En vrai, je pense que c'est rentable parce que les tokens, ils valent combien? Les tokens, ils valent à peu près 40 000. Sachant que les 9x5, c'est 60 000. Ouais, en vrai, c'est rentable. Si vous savez bien viser, c'est rentable. Et si votre machine, elle est pas trop buggée chez vous, ça peut marcher. Ok, alors attention. Ah, je l'ai pas, je pense. Ah ouais, 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 je l'ai loupé. Bon bah les gars, on va s'arrêter là, je pense, parce que la machine, elle est pétée. Et puis, je vous laisse avec l'opening tout de suite. Yo les gars, c'est Nsu, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va s'ouvrir 5000 œufs. Alors, je vous montre c'est lesquels. C'est juste ceux-là. Voilà, les œufs arcade. Donc, on va en ouvrir 5000 aujourd'hui. Alors, quand je dis 5000, les gars, c'est 5000... En fonction des numéros, d'accord? C'est pas 5000 par exemple x 50 ou je sais pas quoi. Parce que sinon ça va coûter au moins 1 milliard de gemmes. Donc 5000 c'est, si vous calculez bien, par exemple j'ai 10 œufs x 200. Donc ça fait 2890 œufs. Et là pareil, x 20 de 130, ça fait à peu près 3000 œufs. C'est comme si par exemple les gars, si j'aurais acheté 5000 œufs x 1. Donc voilà, c'est juste pour que tout le monde comprenne bien, parce que sinon il y en a encore qui vont me dire dans les commentaires « T'as pas vraiment ouvert 5000 œufs ?» Bah si, du coup. C'est juste que les œufs x 10, bah c'est comme si c'était 10 œufs x 1, vu qu'il y a 10 objets dedans. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris. Et en tout cas les gars, on fera une partie 2 où on ouvrira encore 5000 œufs pour en ouvrir 10 000 au total. Donc c'est parti. On est avec Phoenix et Dracofeu pour ce petit pack opening. Donc c'est parti, parce que tous les autres abonnés, ils sont tous AFK les gars. Ils sont tous AFK de fou. Bref, c'est parti, let's go. En plus, on s'est mis dans la pile zone verte, les gars. Dans la zone toute verte. Pour ouvrir, bah, un joli dragon tout vert. Donc, c'est parti. Ok. Premier truc, on n'a rien eu. Ok. On continue. On a aussi des œufs de toutes les couleurs. Mais nous, les gars, je pense qu'on va ouvrir beaucoup d'œufs x10. Et les x20 aussi.
Parce que les autres ils sont un peu trop chers en fait. D'ailleurs je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment ça marche. Ok, on a rien eu. Je vais vous expliquer comment ça marche les œufs les gars. Alors, d'ailleurs je pense qu'on va aussi aller utiliser quelques tokens. Je sais que j'en ai quelques-uns, ouais. J'ai 30 tokens les gars, donc on ira chercher des œufs je pense. Du coup je vous explique les prix les gars. Donc un œuf arcade x1 ça vaut 10 000 gemmes, ok. 10 000 gemmes. Un œuf x5, normalement si tu calcules, vu que c'est juste x5 de 10 000, bah ça vaut 50 000, on est d'accord. Sauf que l'œuf x5 il vaut 66 000. Donc 15 000 au-dessus du prix de base. Donc les gars, n'achetez jamais l'œuf x5, c'est de l'arnaque. L'œuf x10 il vaut 104 000. Donc c'est déjà beaucoup mieux comparé au x5. Donc l'œuf x10 il vaut normalement 100 000. Sauf que là il vaut 104 000. Donc moi je vous conseille de l'acheter, c'est très très rentable. 104 000 au lieu de 100 000. L'œuf x20 il vaut 228 000 au lieu de 200 000. Donc c'est un peu de l'arnaque aussi. Mais j'en ai quelques-uns, vous voyez, parce que j'ai réussi à les négocier à des bons prix. Mais du coup, les œufs x20, je vois beaucoup de youtubeurs en ouvrir, mais c'est un peu de l'arnaque. Parce que t'es 28 000 gemmes au-dessus du prix. Et on pourrait se dire que 28 000, c'est pas très cher, oui. Mais en fait, si t'en achètes beaucoup, beaucoup, bah 28 000 fois 100, bah ça commence à monter dans des 200 000, dans des 2 millions. Donc voilà, attention au prix du x20. Et le x50, ne l'achetez surtout jamais. Parce que x50 de x10, bah, ça veut dire 500 000 gemmes. Sauf qu'il vaut pas 500 000, il vaut 1 500 000. Donc l'œuf x500, les gars, il vaut 3 fois plus cher. Donc voilà, c'est un peu de l'arnaque. Donc j'espère que je vous ai bien expliqué. Et j'espère que vous avez bien compris. Du coup, l'œuf le plus rentable à acheter, les gars, c'est soit l'œuf x1, soit l'œuf x10. Et le x20, c'est le troisième plus rentable. Ok, on continue. Hop, c'est parti. On en a beaucoup à ouvrir. Honnêtement les gars, je n'ai absolument aucune idée si on peut l'avoir. J'en ai aucune idée. Je sais même pas c'est quoi le taux de drop. Je sais rien du tout. On verra ça plus tard je pense. Hop. Mais bon. En tout cas, en ayant 5000 œufs, bah je sais pas si on peut l'avoir. Si c'est une chance sur 10 000, ça veut dire que là je suis à la moitié du nombre d'œufs. Mais on sait jamais en vrai. Avec un peu de chance, on pourra l'avoir. Ok, on continue. On a eu un boost slot voucher, mais je crois que ça vaut que dalle les boost slot voucher. Ah, quoique. Bah, à l'époque, ça valait pas mal de gemmes. Je sais plus si maintenant c'est encore rentable. Ok, on continue. Et rien d'autre. Attends, je vais marquer. Go regarder le prix du huge. Hop. Je vais aller à la zone 1 pour regarder le prix du huge. Alors, où est-ce qu'il est le petit huge? Il s'appelle comment? Il s'appelle Dragon quelque chose. C'est lui, voilà. Ok, il y en a 480 dans le monde, les gars, et il vaut 300 millions. Ok, plutôt cool, plutôt cool. Bah au moins, les gars, on est prévenus. Hop, je suis de retour. Et c'est reparti pour rouvrir des œufs. Du coup, ouais, c'est vrai qu'il est plutôt rare, les gars, quand même. Parce que moi, les gars, vous avez vu mes vidéos, je pense. Mais des fois, j'ai pas mal de chance. Et j'ai réussi à avoir des huge où il y en avait 2000 dans le monde, etc. Mais 400, les gars, c'est quand même plutôt rare. Ok, on continue. Si vous entendez mon chien, les gars, qui aboie, je suis vraiment désolé, mais bon. C'est ça le problème d'avoir des animaux de compagnie, c'est que des fois, ils miaulent, ils aboient, ils te cassent un peu les... Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On n'a rien eu, ok, on continue. Aïe aïe aïe, ça m'a coûté vraiment très cher cette vidéo les gars. Cette vidéo m'a coûté à peu près, je crois, 105 millions. 105 millions les gars. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Sachant qu'en plus, vous le savez, mais dans la Trading Plaza les gars, bah les gens ils ne vendent jamais, au prix correct. Tout le temps les gens ils aiment bien vendre plus cher. Du coup, bah, j'ai essayé de négocier en général 1000 prêts. Ça veut dire que par exemple, l'œuf à 10 000, je pouvais l'avoir à 11 000 maximum. L'œuf x 10, au lieu de 100 000, ça me dérangeait pas de payer 110 000. L'œuf x 20, 220 000 maximum, etc. Enfin, vous voyez. Ça me dérangeait pas d'ajouter juste 1000 en fonction de l'œuf que j'achetais. Donc moi, je vous conseille de faire pareil pour ceux qui veulent tester d'ailleurs. Ok, on continue. En vrai, non, en vrai, je vous dis la vérité, je pense que c'est impossible de l'avoir. Oh, on a eu un petit charme, pourquoi pas. Je pense que c'est impossible de l'avoir, les gars. Le charme, il vaut combien?
Je crois que le prix des charmes il commence à monter d'ailleurs. On va regarder ça ensemble. Mais regardez, déjà celui-là il vaut 90 000. Et ouais, les charmes ils commencent à monter à peu près vers 1000 gemmes chacun. C'est très cool, c'est très cool. Ah, il a marqué j'ai mis des pets lucky pour toi. Bah moi j'ai mis Huge Hunter, j'ai mis Lucky Eggs. Je sais pas si ça va m'aider ou pas. Je pense pas que ça va m'aider, mais on verra. Ok, on continue. En plus, honnêtement, le Huge Dragon, les gars, il est vraiment trop, trop, trop stylé. Honnêtement, il est trop beau, il est magnifique. Donc, ça serait vraiment cool de l'avoir. On sait jamais. D'ailleurs, faut pas que j'ouvre tous mes œufs aujourd'hui, parce qu'on a dit que dans cette vidéo, on en ouvrait que 5000. On avait dit qu'on en ouvrait que 5000 et qu'on ferait une partie 2 pour en ouvrir 10 000. Donc, attention. Attention à pas tout ouvrir d'un coup. En tout cas, là, on n'est même pas encore à la moitié, les gars. On est même très loin de la moitié. On a encore pas mal d'œufs à ouvrir. Je pense qu'on en a ouvert une petite centaine, deux centaines. Ok, des trucs de charme, des boosts de Witcher. Ok, pourquoi pas. Pas ouf, pas ouf. On continue, on continue. Prince, je te donne un cadeau. Bah là, on est en vidéo, mon ref. Mais merci, merci de vouloir me donner un cadeau. C'est très gentil. Mais là, tu vois, c'est pas trop possible pour l'instant. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? Et rien encore, on continue. Allez. Désolé mon ref, mais pas maintenant les cadeaux. Même si en vrai, j'aimerais bien avoir des petits cadeaux. Très jolis. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau? D'ailleurs, apparemment, l'animation, je l'ai jamais vue. Enfin, ouais. En tout cas, je l'ai jamais vue de pleine face, quoi. Parce que j'ai déjà vu des gens qui l'avaient, mais c'était toujours mal cadré et tout. Mais je sais pas si du coup, bah, le dragon, enfin, comment on l'a concrètement. Est-ce que il spawn genre en gros? Est-ce que genre il y a un gros dragon qui spawn? Est-ce que il spawn en carré? Est-ce que j'en ai aucune idée, les gars. J'en ai aucune idée, aucune idée. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'on va découvrir l'animation tous ensemble aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je prends mon temps, les gars. Je prends mon temps pour ouvrir les œufs. Parce que si jamais on l'a, au moins on aura une très très belle vidéo. Parce que si je spam comme ça les ouvertures, regardez, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, bah on va rater l'animation. Je suis en vidéo des œufs. On va lui dire parce que sinon il va continuer de me demander. Ok, on continue. Allez. Allez, allez, allez. Allez, un dragon, un dragon, un dragon. D'ailleurs, je sais même pas. Est-ce que le dragon, il spawn direct, vous pensez? Genre là, est-ce que dès que j'ouvre les œufs, il y a le dragon direct? Ou alors, comme il arrive en dernier, vu qu'il est plus rare que les autres items, est-ce que il spawn en dernier dans l'œuf? Frère, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Mais du coup, ouvrir 5000 œufs, les gars, ça risque d'être plutôt long, je pense. Je pense que ouvrir 5000 œufs, ça va être très très long. D'ailleurs, mon rêve, c'est que si jamais on l'a, parce que c'est pas sûr qu'on va l'avoir, mais si jamais on l'a, j'aimerais beaucoup qu'on l'ait très très tôt. Tu vois? Genre là, j'aimerais bien qu'on l'ait très bientôt. Comme ça, la vidéo, elle dure pas 3 heures pour vous, les gars. Et en plus de ça, comme ça, je peux revendre mes petits œufs. Et récupérer mes gemmes. Et ça, ça serait trop bien. Ça serait trop bien de récupérer toutes mes gemmes. Ok. Attention. Ok, un charme. En vrai, les charmes, je vous jure, les gars. Moi, je dis pas non, en vrai. Oh, on a double coffre. Double coffre. Les coffres, c'est quand même 35 000. Donc, c'est très cool. Ça rembourse pas du tout l'œuf. Mais c'est pas grave, c'est bien. Le huge. Putain, heureusement que Dracofeu et 24K, ils sont avec moi pour ouvrir, les gars. Parce que regarde tout le serveur là. Ils sont tous AFK. Non mais oh. Oula, par contre les potions elles étaient buggées là. Elles étaient un peu buggées. Ok, on continue, c'est parti. Hop. Je sais pas, on en est à combien là. On doit pas être à la moitié encore, je pense. Je pense pas qu'on soit à la moitié. Allez, 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 allez. Ok, rien. D'ailleurs, faut que j'en ouvre combien pour en ouvrir 5000? Je vais en ouvrir combien? Je sais même pas, j'ai pas... En fait, j'ai calculé, les gars, mais je crois que j'ai à peu près 5800 œufs. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai 5800 œufs. Sauf que j'ai pas envie d'en ouvrir 5800,
J'aimerais bien en ouvrir juste 5000 dans cette vidéo. Comme ça, on fera une partie 2 où j'en réouvre 5000 et comme ça, ça fera 10 000 œufs au total. Mais malheureusement, les calculs, ils ont été un peu ratés. Donc je sais pas trop ce qu'on va avoir. Et ce qu'on peut ouvrir. Donc on continue. Allez, un petit huge. Le petit dragon. En vrai, si je l'ai, je pense que ça sera l'un de mes plus rares. Parce que vous le savez... Bon, je vous spoil les gars, mais de toute façon, si vous avez pas vu la vidéo, tant pis. Mais du coup, j'ai eu le huge de la daycare. Le huge de la daycare, il est vraiment très très rare. Et je suis content de l'avoir eu. J'ai aussi eu le huge tiger, les gars, de la roue des diamants. Celui-là aussi, il est très rare, donc je suis très content. J'ai eu le huge des coffres tech crystal. Ah non, pardon. Tech key, donc agonie. Donc très très cool aussi. J'ai eu le huge des coffres cristal. J'ai eu... Oh, un charme. J'ai eu aussi... quoi d'autre? Le huge Rich Cat. J'ai eu le huge... dans les trésors Hunter, je sais pas quoi. Enfin bref. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais c'est juste pour dire que j'ai eu vraiment des huge plutôt rares. Le problème, c'est que c'est tout le temps des huge où il y en a 2000 exemplaires, etc. Alors que là, le dragon, les gars, il y en a 400. Ça veut dire que si jamais je l'ai, ça serait... mon huge le plus rare, je pense. En tout cas, en termes de rareté, bien sûr. Parce que j'ai des huge qui valent très très cher. Mais en termes de rareté, ça serait le meilleur. Bref, on parle, mais pour l'instant, c'est la cata, j'ai envie de dire. Allez, allez. Encore. Oh, un petit charme. Moi, les petits charmes, je dis pas non. Avec la nouvelle machine, on peut crafter des charmes, donc c'est cool. D'ailleurs, attends, je viens d'avoir un enchant ou je rêve? J'ai eu quoi comme enchant? Je sais pas, bizarre. Ok, on continue. On passe maintenant aux œufs x20, les gars. Ah non, attendez. Il m'en reste encore 8 en x10. Et après, on a les œufs x20. Ok. Attention. Et rien du tout. Les autres œufs. Vous savez quoi? Je vais ouvrir des x1 aussi. Je vais ouvrir des x1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, on a eu un Chisel Star. Chisel machin truc. On va ouvrir un seul x5, les gars, juste pour le style, tu vois. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nul. Je vais ouvrir un x50 à la fin de la vidéo parce que ça coûte quand même très cher, donc je suis pas sûr. Donc le x50, les gars, on l'ouvre à la fin de la vidéo parce que c'est le plus rare, il vaut ultra cher. Allez, on continue maintenant avec les x20. On continue avec les x20. Donc celui-là, il y a beaucoup plus d'items. Ça veut pas dire forcément que tu auras plus de chance. Ça veut juste dire qu'il y a plus d'items. Voilà. C'est comme si, tu vois, j'ouvrais 20 œufs x 10 en même temps. Bah là, voilà. J'ouvre 10 x 20. On a eu plein de petits charmes d'ailleurs, donc c'est cool. Moi, en vrai, les gars, je prends tous les charmes. Je prends tous les coffres qu'on peut avoir. En fait, tous les trucs un petit peu rares et chers. Bah, comme les charmstones aussi. Même les sprinklers. Moi, ça me dérange pas. Par contre, tous les livres pourris, non merci. Ok, on continue. Vous savez quoi, les gars, je pense, on va pas se prendre la tête. Les gars, j'ai la flemme de compter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir tous les œufs que j'ai. Même s'il y en a plus que 5000, c'est pas grave. On va ouvrir 6000 œufs, les gars, dans cette vidéo. Et puis, tant pis. Dans la partie 2, on a. Oh, glittering et diamant. Oh, trop bien. Attendez, on va attendre que ça charge. Mais du coup, ouais, je disais... ah ouais, regardez. Glittering Charm et Diamond Charm. D'ailleurs, pendant que j'y suis, hop, on va acheter ça, les gars. Le pack Forever. On sait jamais. Imaginez, il y a un truc stylé derrière. Alors, attention. Des potions. Un Rainbow Chest. Très bien. Un Glittering Charm. Et derrière, on a des œufs. Oh, pas mal, en vrai. Pas mal. Je verrai peut-être si on en prend, les gars. On verra. Bref, on continue. Assez parlé. C'était quoi? Je parlais de quoi déjà? J'ai oublié, les gars. J'ai oublié de quoi je parlais. Ah oui, si, je disais que peu importe combien on en ouvre, on en réouvrira encore 5000 dans la prochaine vidéo, donc c'est pas grave. Allez, 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 allez. Ok, pas le huge encore. On continue. Hop, c'est parti. Ah oui, d'ailleurs, je suis gogol, mais j'avais dit ouais, j'ai eu des livres et tout, mais c'est normal en fait. On a que des livres partout. Donc c'est normal que j'ai des enchantes.
Ok, on continue, on continue. Allez là, un gros dragon qui apparaît, s'il vous plaît. Oh, j'ai eu deux charmstones, ok. Et des coffres aussi. Ok, on continue. On est bientôt à la fin, les gars. Encore 10 ouvertures, 9 x 20. Et c'est fini. Et c'est fini, malheureusement. Je pense qu'on est à... Là, on doit être à plus de la moitié de la vidéo, les gars. Ah, c'est triste, en vrai. En vrai, les gars, c'est vraiment triste. Mais après, c'est normal, hein. C'est normal. Le Yuji, il est très rare, les gars. On peut pas l'avoir comme ça, en claquant des doigts. Mais bon. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Dans la prochaine vidéo, peut-être. Dans la partie 2. Ok. D'ailleurs, ah oui, faut que je vous dise un truc, mais vous voyez, j'essaye de faire une vidéo sur tous les Yuji du jeu, les gars. Je pense que vous avez remarqué. J'essaye d'avoir tous les Yuji du jeu. Et, en gros, j'ai envie de faire une partie 2 à chaque vidéo où je n'ai pas eu le Yuji. Donc, par exemple, le Yuji, je vais vous dire une bêtise, mais le Yuji des tickets, par exemple. Le chat, vous voyez, avec un chapeau. Eh bien, je ne l'ai pas eu dans la première partie. Du coup, le jour où je fais une partie 2, les gars, bah, vous savez que je l'aurai. Parce qu'en fait, je ferai pas une partie 2 si je l'ai pas eu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, si je fais une partie 2 d'une vidéo où j'avais pas eu le Yuji, et bah, c'est sûr que je l'aurai. Parce que sinon, si je l'ai pas, bah, je vous sortirai pas la vidéo. Parce que je trouve qu'il y a aucun intérêt, les gars, à sortir une vidéo d'une partie 2 si jamais, bah, j'ai pas le Yuji. C'est débile, tu vois. La partie 1, c'est pas grave si je l'ai pas, parce que c'est on découvre un petit peu, et puis c'est cool, tu vois. On découvre le Yuji, etc. Mais si je fais une partie 2, les gars, vous saurez que je l'ai. Ok, un charme. D'ailleurs, dans les longues vidéos, je pense que vous avez remarqué, mais je parle beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si ça vous saoule que je fasse que de parler. Mais j'ai pas trop le choix, les gars. Je suis obligé de vous parler et raconter des trucs. Si je ferais que d'ouvrir des œufs à l'infini sans parler, ça serait très relou, je pense. Donc désolé si je raconte ma vie. C'est un peu chiant, je sais, mais j'ai pas le choix. Ok. Oh! Let's go, un ultimate. Vous savez que l'ultimate, il est même pas rentable, les gars, parce qu'il vaut 80 000, l'ultimate. Il vaut que 80 000, alors que l'œuf, il vaut 200 000. Donc même ça, c'est pas rentable, alors que j'ai eu un ultimate. D'ailleurs, les gars, mais... l'ultimate du chat, il n'y a personne qui en veut, les gars. Personne en veut. L'ultimate, il vaut que dalle. Et même des fois, je le baisse en prix. Et je le mets presque gratos. Il n'y a personne qui l'achète. Je crois que personne ne veut l'ultimate du chat, les gars. L'ultimate du chat, personne ne l'aime. Personne l'aime. C'est triste. Alors qu'il est mignon, le petit chat. Ok, les gars, on est à la moitié des 10 ouvertures. Donc il en reste encore 4 ou 5, je crois. Et après, on n'a plus rien. Allez, un petit dragon. Un petit dragon qui apparaît. Non, en vrai, ça me paraît tellement impossible. Non, vraiment. Ça me paraît tellement impossible. En fait, le truc, c'est que je me dis, les gars, j'ai acheté tellement d'œufs. Bah, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'on va l'avoir. J'ai tellement ralasse mes gemmes que je me suis dit, on sait jamais. Peut-être, avec un peu de chance, j'aurais eu le Yuji. Tu vois, il faut toujours espérer dans la vie. À tous les coups, tu vois, il y a un petit dragon qui apparaît. Et t'es content. Malheureusement, je crois que ça sera pas le cas aujourd'hui. Par contre, Dracaufeu, il est mort ou quoi, les gars? Je crois que Dracaufeu, il a disparu. Il est peut-être allé manger. Peut-être qu'il allait manger. Ok, un lucky block, un boost slot butcher, et que dalle. Ok, il nous en reste combien à ouvrir? Il nous en reste 20 encore. Enfin, ouais, 20 si je compte x2, vous avez compris, bref. Et après les deux slaves, les gars, on ira se faire l'œuf x50. Le plus cher, en gros. Voilà, le méga cher, en fait. Ok, ok. Attention. Et allez, allez, derrière ça, derrière les drapeaux. Et non. Ok. Les derniers 8 œufs, les gars. Les derniers. On s'ouvre le x50 juste après. En vrai, le x50, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de l'ouvrir. Mais je vais quand même l'ouvrir, parce que je vous ai promis que j'allais l'ouvrir. Mais en vrai, j'ai pas envie. Il coûte trop cher.
Il coûte trop cher et pour rien en fait. C'est un peu de l'arnaque. Mais bon, c'est pas grave. Ok, toujours rien. Et du coup, les gars, on s'ouvre le dernier fois 50. Et si vous vous demandez pourquoi j'ouvre pas les autres, c'est parce que je les garde pour la collection, les gars. J'essaye de garder un œuf de chaque pour la collection. Et puis voilà. Ok, bref, c'est parti pour le dernier, les gars. Le x50. Ok, allez. Allez, allez. Regardez, je me mets bien devant. Attention, attention. Attention. Je sais même pas on en est à combien. Il y a tellement d'items dans un x50. On sait même pas il y en a combien. Allez, allez, allez. Un petit dragon, un petit dragon, un petit dragon. Putain, mais regardez-moi tous ces livres pourris là. Ça m'aurait bien servi d'avoir autant de livres pourris, les gars. Ceux qui ont vu mon post sur YouTube, les gars. Oh non, je l'ai pas eu. Oh non. Ceux qui ont vu mon post sur YouTube, les gars. J'ai dépensé 1 milliard de diamants pour améliorer mes enchantements et tout. Et ça m'aurait bien servi d'en avoir autant. Bref, du coup, voilà, les gars. C'est tout pour la première partie, malheureusement. Merci aux abonnés qui étaient là. Et puis, bah, les gars, deuxième partie. On refera 5000 œufs. Ou peut-être 10 000 d'un coup. En tout cas, à la prochaine, les BG.